Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous bénissons, mon Dieu, parce que eh ben, nos opportunités, ça, pour nous capables d'être présents avec vous dans la série émission, ça, lit et comprend la Bible. Et on connaît que lit et comprend la Bible, c'est une émission qui est là pour capable de lire la parole de Dieu, mais enseigner la parole de Dieu et porter éclaircissement plus et sur des versets que bien peut-être que vous êtes capable de lire chaque jour et puis nous porter par vous. Donc, c'est toujours avec vous, frère. John Kelly lui, donc ensemble, nous allons voir ça que Dieu a pour nous aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous appelons, c'est dans 1 Timothée 4, le verset 12. Dans 1 Timothée 4, le verset 12, qui dit « Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. » Donc, dans ce passage, apôtre Paul qui a écrit avec son fils Timothée. Et nous connaissons que Timothée, c'était le fils spirituel de l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul était choisi pour être capable de faire parcours ensemble avec lui. Donc, dans la parole, dans l'épître, l'apôtre Paul a dit Timothée pour être capable de rappeler Genio, pour la montrer que c'est important pour que Genio soit capable de mépriser jeunesse. Parce que un jeune, il est appelé pour assurer la relève. Un jeune est appelé pour être capable de porter support dans la société plus tard. Il est appelé pour être capable et demain venir jouer un gros rôle dans la société. Donc, c'est depuis dans jeudi pour jeune ça, il est capable de travailler et Jean que l'apôtre Paul dit ya, pour être capable de travailler visage, li, travail entourage, li, afin qu'il soit capable de porter un secours avec la société à demain si tu veux. Voilà pourquoi. L'apôtre Paul dit que personne ne méprise ta jeunesse. Parce que il y a un pile de jeunes qui toujours pensaient que le fait que les jeunes, ils ont fait tout ça, ils ont voulu, mais pendant que c'est lorsque vous êtes adulte, ils ont appris et destin ou en main. Mais l'apôtre Paul, là, il dit nous un bagage qui est différent. Maintenant, voici les caractéristiques d'un jeune qui veut assurer la relève. Et nous connaissons qu'il y a un pile de jeunes qui connaissent que demain, il y a un gros rôle dans la société. Et pourquoi pas depuis un jeudi? Mais le fait que la relève, son processus, donc, met une caractéristique d'un jeune qui est capable d'assurer la relève. La première caractéristique, c'est un jeune qui remet bon Dieu. C'est un jeune qui remet bon Dieu. Donc, on a la Bible, dans Matthieu 22, le verset 37, il dit tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Donc, il y a un jeune qui veut assurer la relève. Les gens ont le cœur, ils ont l'amour pour Dieu. Et comment nous avons dit un jeune qui a l'amour pour Dieu? C'est lorsque les gardez les commandements. La Bible dit que dans Jean 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc, lorsque vous aimez mon Dieu, en deuxième lieu, vous gardez les commandements, mon Dieu. Vous faites ça qui a fait quel plaisir, vous faites ça qui a fait quel content. Et deuxièmement, lorsque vous aimez mon Dieu, vous aimez le prochain. Il y a un jeune qui veut assurer la relève, premièrement, il aimez mon Dieu. Lorsque vous remet mon Dieu, vous remet prochain. Et deuxièmement, il y a un jeune qui veut assurer la relève, son jeune qui remet tête, son jeune qui apprécie tête, son jeune qui sentit que dans lui, il remet ça que lui a. N'oubliez que la Bible dit que nous créons à l'image de Dieu. Donc, il y a un monde qui veut assurer la relève, c'est pour un monde qui a sous-estimé tête. Et lorsque vous sous-estimez tête, ça veut faire que vous n'avez pas avancé vers l'avant. Ça veut faire que vous n'avez pas produit rien dans la société à demain, si tu veux. Et deuxièmement, il y a un jeune qui veut assurer la relève, qui remet tête li, son jeune tout qui n'a pas matérisé tête li. Ça veut dire son jeune qui est collé propre, son jeune qui est collé, qui est pablier. La Bible dit que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Lorsque vous remet tête tout, vous avez respect pour le corps. Vous ne pouvez pas aller n'importe côté, vous faire n'importe bagarre avec le corps, laissez-vous respecter tête tout. Et troisièmement, un jeune qui veut assurer la relève, son jeune qui remet l'éducation, son jeune qui remet étudier, son jeune qui remet avancer vers l'avant. Et vous n'avez pas qu'un jeune que vous voulez assurer la relève et vous ne pas remet étudier, vous ne pas apprendre une bagaille. Vous pas oublier que l'Évangile n'est pas contre l'éducation. L'Évangile est appuyé l'éducation. L'Évangile remet lorsque un jeune a fait effort pour être capable d'étudier. Parce que lorsque Dieu veut établir ou quelque part, donc, il prend le temps pour le former ou il prend le temps pour le préparer. Mais comment la préparer? La préparer sous tout sens, et spirituel et intellectuel. Donc, intelligemment, nous supposons avancer avec Dieu
pour que Dieu capable établir nous plus tard côté que le voulait mettre nous. Pas oublier que Moïse pas un homme qui pas éduqué, OK? Daniel pas un homme qui pas éduqué. Donc tout homme yo que Dieu plaçait quelque part son homme qui était bien maturité avec Dieu à savoir l'intelligence. Et quatrième caractéristique d'un jeune qui veut assurer la relève, son jeune qui respectait aîné, son jeune qui a respect pour ancien. Donc, nous pas qu'à dire que nous vivons dans le temps ça que nous pas respecter ancien. Donc, la Bible a prouvé ancien. Et ancien, il y a des expériences que nous-mêmes en tant que jeunes que nous pas gagnons. Donc, un jeune qui veut assurer la relève, il y a un respect pour ancien. Et rappelez-nous que David, lorsque il était le gourmet avec Goliath, il était demandé Saül faveur. Et c'est Saül qui était balayé accès pour être capable d'entrer sur ce champ de bataille-là pour être capable de gourmet avec Goliath. Même si Saül, le roi Saül, était peu bataille avec Goliath, mais quand même David lui demandait l'accès. Pourquoi? Parce que ancien, il y a des expériences, bien peut-être parce que nous, c'est eux-mêmes qui peuvent nous accès pour nous capables d'entrer dans le champ de bataille-là. Donc, il y a un jeune qui veut assurer la relève, il respecte ancien. Et ces mêmes gens, si qu'on pas respecter ancien, lorsqu'on vient ancien, même dans l'époque, pour là, les jeunes n'ont pas de respect pour vous. Pourquoi? Parce que la Bible dit, sans semer, c'est les mêmes après. On a prêté là pour jeudi. Et jeudi, on a quatre caractéristiques qu'un jeune est capable de gagner pour capable assurer la relève. Donc, on a fait suite avec le reste et caractéristiques dans la semaine prochaine dans l'autre émission. Donc, je dis à Noé qu'un jeune qui veut assurer la relève, ce jeune qui remet bon Dieu, ce jeune qui remet tête lit, ce jeune qui remet éducation, ce jeune qui respecte ancien, ce jeune qui respecte leader. C'est pour bon Dieu bénir, c'est pour bon Dieu continuer à inspirer, capable et porter support avec nouvelle génération. Ça. Que bon Dieu bénir, abonnez avec page nous, Cédric Ministries, et puis Évangéliste John Kelly. Bon Dieu bénir.